toi là-bas. Plus un geste. Ça fait 3 semaines. Il y a quelqu'un ? Et je n'ai jamais vu quitter cette pièce. Encore moins descendre l'escalier. Il est dévoué à sa tâche, hein ? Sa vire est l'obsession. À mon avis, il ne sait même pas qu'on est là. Monsieur Germain, l'orfèvre. Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non. Ils surveillent l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors suivez-moi, et gardez le silence. Thank you.
Par ici. Très bien. Attendez ici. Suivez-moi. Bien sûr. Ne bougez pas. Suivez-moi. Certainement. Ne bougez pas. Par ici. Très bien. Gardez un œil sur les toits. Ils y postent souvent des sentinelles. Êtes-vous un prisonnier si important ? Germain, changement de plan. Vite, vite, pas trop
profond. Juste de quoi le ralentir. Je te tiens. À l'aide! Germain! Changement de plan. Allons, laissons parler la raison. Relâchez l'orfèvre. Recule! Seigneur Dieu, qu'ai-je fait? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je? J'ai fabriqué la première il y a des années, une commande spéciale, d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut, surtout des armes. Où puis-je le trouver? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. Faut l'envoyer à Bicêtre. Et me menacer. Mais de quel droit, bon sang? J'imagine que c'est dangereux. Il a pas de
bastonner sur le moindre motif. Vous, madame. Huh?